Eh bien, bonjour à tous et à toutes, les joueurs et les joueuses, c'est Payugo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur la Ligue des Explorateurs. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, on avait réussi à battre Rafam, on avait réussi avant encore à battre l'armure, et avant on avait réussi à battre un... J'ai envie de dire un T-Rex, mais c'est pas ça son nom. C'est Skeletosaurus, c'est fameux. Tais-toi. Skeletosaurus X. Ce n'est pas ton ami. Et voilà, on avait réussi à battre Skeletosaurus Rex, qui était pas hyper difficile, et surtout j'avais merdé pour la première fois où j'avais testé. Et donc, souvenez-vous, Rafam. Je sais pas pourquoi je rappelle les autres épisodes, mais j'avais en plus envie. Rafam utilisait notre deck, et cette fois-ci, je pense qu'on va l'affronter. Réellement avec son propre deck. Ça suffit. Vous n'êtes rien face au bâton de l'origine. Ah bah voilà, on va enfin combattre le bâton de l'origine. Et le bâton de l'origine, je suis pratiquement sur Elgin pour s'enfuir. Suivez-le et achevez-le. Ça a l'air bizarre ça. Ça a l'air d'être un mélange de toutes les fuites ou les trucs qu'on a eu. Ça a l'air très bizarre. Moi. Mais je pense que le bâton va permettre de transformer, invoquer et un troisième truc. Je sais plus quoi. Enfin, j'ai vérifié. Un pouvoir. Ah oui, il rend insensible. Passif. Votre œil est insensible tant que le bâton se charge. Alors, forcément, quand le pouvoir est. Explique des choses comme ça, en fait, on comprend uniquement pendant qu'on joue, donc on va aller tout de suite voir à quoi correspond ce pouvoir, enfin, ce que fait ce pouvoir. Je vais utiliser le mage. Puisque voilà. Et je n'ai plus de chocolat chaud à boire. Tristesse. Franchement, face à un pour les défis de glace. Contre Rafam, l'archéologue suprême. On va se calmer, d'accord? Contemplez la pleine puissance du bâton. Non, mais j'avais cherché. Pour une fois, c'est bien dit. C'est quoi? C'est quoi qu'on joue contre quoi là cette fois-ci? C'est pas un temple, c'est un bâton. Faut arrêter au bout d'un moment. Ça part trop loin. Je suis invincible. Oh. Je détiens la puissance des titans. Oh, les titans les éclatés. Est invulnérable tant que le bâton se charge. On a déjà affronté quelqu'un. Une fois chargé, nous pourrons l'attaquer. Mais il faudra s'occuper des créatures qu'il invoquera. Ok. Son passif va changer. Donc j'avais raison. Il va être insensible. Alors pendant combien de temps on sait pas, mais il va aussi invoquer, il va transformer, il va foutre la merde, ça va être super drôle. Nous fouillons le musée à la recherche d'objets utiles. Prévenez-moi si vous en voulez un. Ouais, d'où tu changes mon pouvoir? Non, t'es pas autorisé. Il y a écrit « Buvez-moi », mais nous l'avons trouvé dans Naxxramas, alors personne n'a voulu y goûter. Ça ressemble bien au côté de Kel'Thuzan, ça ressemble le côté fou. ça sent l'embrouille, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est bien pensé, c'est cool, ils vont nous refaire avec toutes les aventures. Préparez-vous. Ouais, d'accord, mais bon, j'ai pas une armée non plus, on se calme. On va genre se calmer tout de suite. Transforme un serviteur en serpent de la fosse. Je sais pas ce qu'est un serpent de la fosse, mais ça a l'air stylé. Et je ne savais pas qu'il aimait pas les serpents. Lui qui est un explorateur, pourtant. Et Reno, ça ne te ressemble pas. Puissance écrasante. Salut. Ça faisait un bail. Merci, moi je commence, c'est pas l'antique malédiction, mais au moins j'ai ton monstre. Le bâton est en surcharge, c'est le moment. C'est super. D'accord, donc en surcharge, donc l'autre devient sensible. Putain, c'est bien pensé, non c'est stylé, non ça me plaît, franchement. Ça me plaît, voilà, détruire un serviteur. Aïe. Bon, c'est pas grave. Ah ok, non j'avais pas lu son effet. J'avais pas lu son effet mais
Les nains coûtent un de plus. D'accord, ça modifie le nombre de cristaux en fait. L'artefact sacré de mon peuple. Buvez-le vite. D'accord, un artefact sacré. Mais ça a l'air sympa, ça. Ça a l'air très utile, ça. Je suis invincible. Vous ne me battrez jamais. D'accord, donc. Okay. Le bâton est à nouveau en train de se charger. Nous aurons une autre occasion dans un moment. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Il invoque. Il est insensible. Je m'attends à un troisième effet. Quoi, je sais pas encore. Comment est-ce que je vais le détruire celui-ci? Alors j'ai une petite idée. Déjà toi. C'était dans une boîte avec ne pas ouvrir écrit dessus. Alors, bonne chance. Éclat de sulfure, ça sort du mouroche noir, ça fait plaisir. On inflige 5 points de dégâts. Ça me donne envie. Transforme un serviteur de la fosse de 1. Transforme un serviteur en serpent. De 1, ça pourrait être simple à tuer. Ça pourrait être très simple à tuer. Sans qu'il tue forcément mes serviteurs. 4 cristaux de mana, ça aurait pu être sympa pour poser lui. Est-ce que je peux faire 4 cristaux de mana ce tour-ci? Ouais, ça devrait marcher. Vous avez besoin de mon aide. Et donc à ce moment je peux faire ça. Et ça. D'accord, donc c'était lui le serpent de la fosse, j'ai compris. Là on est bien là. Là je vais me faire une petite main de boule de feu. Excusez-moi du temps de réflexion que j'ai mis, mais il m'a fallu. L'antique malédiction. Le bâton est presque prêt. Préparez-vous. T'inquiète, je suis prêt. Et prêt, je suis prêt. J'ai pas moyen de booster mes sorts juste. C'est pas très grave. Une partie de l'armure de Lothar restée intacte après votre chute. Grève abandonnée de Lothar. Après votre chute. Est-ce qu'il parle de Janna? Je connais pas l'histoire de Janna, sinon s'il parle de l'armure qu'on a récupérée, enfin, je sais pas trop. Inflige 3 points de dégâts à tous les adversaires. Putain, entre c'est ça, la vache, le nombre de dégâts que je peux infliger, quoi. 8 points de dégâts, c'est du gratuit. Hein. C'est du gratuit. Écoutez, une boule de feu pour une boule de feu, on a Anthony Das. Moi, ça me convient. Je vais pouvoir tirer du Anthony Das. Tranquillou. Écoutez, on est très très bien là, on est très très bien. Ça passe tranquille avec un deck mage. Puissance écrasante. Oh, Zef. Puissance écrasante. Ah. Il ne jouera pas de moi. Son bouclier est tombé. Attaquez. Oh non, je vais pas me gêner, crois-moi. Celui-là ne peut subir que 1 point de dégâts à la fois. Je peux pas le transformer. Écoute, déjà je peux faire ça. Je pourrais le tuer là. Je pourrais le tuer. Oh bien, ça fait comme. Ah, bien, ça c'est stylé ça. Qu'est-ce que je fais? Parce que là je peux le tuer, mais ça serait pas drôle. Enfin, ça serait trop simple. En plus, j'ai Anthony Dash, j'ai les boules de feu, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça serait bête, je trouve. Quoi qu'il arrive, je gagne, donc Non, on va en profiter, on va voir jusqu'où il peut aller. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque 2 fois. C'est drôle. Il était dans ma poche. J'imagine que je peux vous le prêter. Vous êtes une... Découvre un serviteur. Ouh, c'est pété, ça. J'ai trouvé ça au cœur du magma. Le chambellan l'utilisait pour se culer les dents. Non, j'adore les dialogues. Night Osiris, pourquoi pas, mais ça va me faire beaucoup de ma main quand même là. Est-ce qu'on utilise Rafam contre Rafam? C'est divisant. Ouais, je sais, il n'y a plus de place. Hein. On fout. Rafam, ça reste Rafam.
J'ai beaucoup de... écoutez, je vais me permettre de faire ça, et puis de faire ça. À tous les personnages. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle, mais à tous les personnages, ça veut dire que je te rejette. Allez, on va être gentil. On va être gentil. Maintenant qu'on son a tout le... bouclier fonctionne à nouveau. Soyez prudent. On va être gentil. Bon, ça, tu vas éviter, mon jeune ami. Hein, voilà. Personne ne volera nos secrets. Ok, ça, c'est cool. Personne ne volera nos secrets. Ma main est déjà pleine. Ah, je m'en fous, j'ai plus besoin de piocher, là. Ah oui, ce qui est bête, par contre, c'est ça, quoi. Parce que maintenant, j'ai trop de boules de feu. Et je crois pas que je peux me permettre de trouver encore des artefacts. J'ai une main trop pleine. Enfin, si j'ai bien compris. Il faudrait que j'arrête d'avoir des boules de feu. Donc ça voudrait dire... réduire à néant. Est-ce que je peux tenir avec toutes les boules de feu que j'ai, je pense. Je pense qu'on peut se permettre. Je pense qu'on peut se permettre. Allez, exceptionnellement. Pour voir les artefacts, j'ai envie de m'amuser avec les artefacts. La magie du mage Maboula manifeste. Entre tous. Wow, c'est pété ça. Ah, vas-y, amuse-toi. Pff, tu peux rien copier. C'est si triste. Le bâton est presque prêt. Préparez-vous. Je suis Rafa, l'archéologue suprême. Remplis votre plateau de zombies. Oh, donne plus 10 plus. Oh, inflige 10 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Ah, adversaire personnage. D'accord. Oui, oui. C'est un peu plus utile, l'horloge de Laura. Mais elle coûte tous 10, hein. Est-ce que je demande Rafin pour le péter lui-même? Putain, ça pourrait être grave drôle. Miroir du Sama, lanterne. C'est trop drôle de faire ça. Inflige 10 points répartis entre tous. Eh, j'ai pas pu. Tristesse. Oh bien. Alors, on y va tous les invoquer, je pense. Il pourra pas me le détruire techniquement. Ouh. Regardez ça, regardez ça. C'est trop simple. Oh non, oh là 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 là. Comment il bouffe, il prend cher. J'ai pu péter avec son propre lui. Qu'est-ce qu'il fait à la fin de votre tour? Puis jusqu'à avoir autant de cartes que votre adversaire. Ouais, en fait, ouais, bon. Son sang monte tellement. Comment ce que ça donne? C'est très drôle, c'est très sympathique, c'est méga aléatoire. Donc je peux encore utiliser ça. Portail instable. Pff, allons-y. Et vous voulez voir une main de feu se transformer en portail instable? Je fais n'importe quoi. Et par toi-même, je t'ai trollé jusqu'au bout. J'ai tout fait dans cette game. J'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. Place un serviteur à un cristal de mana. Ah, punaise, il est bien, lui. Ah. Attends, là, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. J'ai... Là, c'est... Je pouvais pas faire plus. Là, si je vous ai pas donné du spectacle, je sais pas ce qu'il vous faut. Dites-le dans les commentaires. Mais là, je vous ai donné le maximum que je pouvais ce soir. Il est 3h, il est 3h30 du mat, s'il vous plaît. Je vous ai fait n'importe quoi sur le terrain. placer une carte du singe doré, ouais, ça, j'en avais entendu parler. Et pff, les explorateurs terminés. Mais oui, mais je l'ai déjà utilisé cette carte. C'est gentil de me la donner après que je l'ai eu. c'est. Vous êtes en retard. Oui, le bâton nous revient. Donc c'est bon, on a le truc, tout est fini. Oh oui.
J'adore tellement la fin. J'adore tellement. Oui, encore une glorieuse. Encore une glorieuse aventure terminée. Super. Et c'est tout. Non, par contre, d'habitude, on a un personnage qui est pété quand même. Enfin, comme qu'on a cassé la gueule tout le monde et que. Enfin, voilà. C'est sympa d'habitude. Bon, tant pis. Là, ils ont fait un petit truc. Eh bien écoutez, sur cette magnifique et glorieuse finale, je vous propose qu'on se retrouve dans les défis de classe dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a intérêt à vous avoir plu parce que franchement, là, cet épisode, il a du lourd. Il a du lourd cet épisode. C'était Peyuko. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée.